Bonjour Damien. Salut Lionel. Comment vas-tu? Bien et toi? Mais ça va bien. Aujourd'hui une Seiko. Une Seiko tout à fait Minuto. Minuto. Dans la gamme Minuto il y en a plusieurs. Celle-ci c'est la Focus. C'est ça. Voilà. Alors la Focus elle est toute noire. Toute noire. Voilà, avec une buse vapeur toute noire. Tout de noir vêtu. Exactement. Et on se remarque quand même quand on la voit comme ça de face, c'est sa compacité. Regarde. Tout elle à fait. Quand même vraiment. Alors justement. À peine une trentaine de centimètres. C'est sa caractéristique principale, c'est-à-dire que c'est la machine la plus petite du marché qui possède les bacs les plus grands. Puisqu'ici, hop, on a 250 grammes de café. Ici, ouais, c'est ça. Et là, on a 1 litre 8 de réservoir à eau. De réservoir à eau, dans lequel on peut mettre évidemment une petite cartouche. Cartouche filtrante. D'ailleurs, c'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut. C'est qu'il faut. Filtrante. Ça, par contre, j'aime moins. En fait, oui. Bon, je vais pas faire un petit, tu sais, une petite charnière là. Avec une petite charnière, tout mais à là, fait. Alors, bon. Ça, c'est un parti pris de Seiko qui dit tiens, on va pouvoir faire des couverts qui se lavent. Après, on peut. Ça passe sous la vaisselle, hein. Tout ce qui est plastique ici passe sous la vaisselle. Tout moins, mais c'est vrai qu'il y a quand même un intérêt. Tout comme la qualité générale du plastique. J'aurais préféré, c'est vrai, peut-être un plastique de qualité supérieure. Oui. Là, on a un plastique mat. Voilà, bon, l'avantage, c'est qu'il ne raye pas. Hein, contrairement à un plastique brillant. Donc là, on verra les micro-rayures, parce que là, on ne verra pas les micro-rayures. Tout à fait. Bon, encore une fois, un parti pris de Seiko. Parti pris de Seiko. Un plastique mat. Voilà, c'est peut-être un petit peu moins flatteur, en effet. Mais au moins, et ça maintenant, voyons ce qu'il y a dans le ventre. Allez, allons-y. Allez, c'est parti. Deux cafés, on y va. Une fois, deux fois, deux tasses comme deux cafés. Et ici, avec le temps, qui va défiler en bas. La barre de progression. C'est ça. Alors, pendant qu'on a l'extraction. On va pouvoir dire deux choses. Ouais. Première chose. C'est une machine qui a une trappe à moulu. On en a pas parlé. C'est vrai. Voilà, donc là, on va pouvoir remettre par exemple un décaféiné. Ouais. Attention, une seule dose à la fois, parce que, on va le voir ici, on peut faire qu'un café par percolation. Exactement. Voilà, donc ici pour faire un double, on va, c'est pré-enregistré, on va avoir deux moutures et deux percolations. Deux percolations. Donc là, on aura deux demi, en fait, deux demi-cafés. Exactement. Et là, la machine s'arrête. Bon, ça va remoudre donc du café. Et relancer la deuxième extraction. Exactement. Donc, pour l'instant, on peut parler des touches. Alors, les touches ici. Donc là, on a la touche donc espresso, bien sûr. On appuie deux fois dessus, voilà, bien sûr, les deux préparations. On peut mémoriser également les volumes. Hein. Mm-hmm. Café ici, donc on peut régler par exemple des cafés très courts et là, des cafés beaucoup plus longs, si on le souhaite. Là, on choisit l'intensité. Tu remarqueras ici, on a 5 petits grains de café qui représentent l'intensité du café. Si un grain est allumé, donc c'est un café très léger, 2 grains, 3 grains, 4 grains, 5 grains, jusqu'au plus fort. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir jouer sur la quantité de café qu'on va mettre exactement pour une tasse. Alors, on doit être aux alentours de 6 à 10 grammes de café, peut-être, voilà, par tasse. Fait. Ensuite, ici, donc, le bouton vapeur. On va juste essayer après, d'ailleurs. Oui. Le bouton chaud. Au chaud pour le thé. Et ici, donc, la fonction de détartrage. Tout à fait. Allez. Allez, les cafés sont prêts. Petit café. Donc, on a un café avec un joli résultat. Ouais. Voilà. C'est avec une mousse crémeuse, on va dire. Ouais, c'est un peu clair, quand même. Hein. C'est un peu clair. Pourtant, on a mis le réglage quand même au plus fin. Au plus fin, tout à fait. Au plus fin, avec le maximum de café. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que, bon, Seiko n'a pas de problème de résultat café en général. Non, pas du tout. Par contre, en effet, les machines doivent être, entre guillemets, rodées pour pouvoir sortir un bon résultat. D'habitude, c'est plus rapide. Là, on a déjà préparé une vingtaine de cafés. Mais on a une mousse peut-être un petit peu claire. Un petit peu claire, voilà. Mais le goût est là. Hein. Le goût est là. Ouais. Alors, voyons. Voyons ça. Ouais. Voilà, ça cartonne bien. Un peu. Très bien, on aime. Il y a quand même tout ce qu'il faut derrière, avec un café qui est bien long en bouche, donc c'est bien. Alors, on va faire un petit latte macchiato. On va voir et la crème est persistante quand même. Hein. Persistante. Tiens, je vais en boire une troisième fois. Au bout de trois fois, j'en ai toujours. Hein. Non, très bien. Donc, très on va tester la fonction de la buse vapeur dite classique, hein, sur une machine automatique, généralement qui est moyennement performante, hein, faut dire ce qui est. Oui. Là donc, on va tester sur ce produit. Tout à fait. Alors attention, il faut bien mettre en place la buse dans le lait et seulement activer la fonction vapeur, bien sûr. Oui, parce qu'on se laisse surprendre facilement. On se laisse surprendre, voilà. Parce qu'en fait, tout simplement, la machine va se mettre en chauffe et va démarrer d'un coup quand elle sera suffisamment chaude. Donc le problème, si voilà, après pour la plongée dans le lait, ça monte vite. Ça va être, voilà. On le voit, hein. Tac, voilà. Et là, c'est parti. C'est parti. Alors, pendant que tu nous fais cette mousse de lait, on va pouvoir parler peut-être de l'écran qui est ici, qui est pas mal du tout, qui est intuitif. C'est un écran LCD 3 couleurs, ouais. Vert, jaune et rouge. Le vert, ça veut dire que tout va bien. Oui. Voilà, code couleur facile. Facile. Le vert, tout va bien. Le jaune, on ne peut pas se servir de la machine parce qu'elle est en train de faire quelque chose. Voilà. Elle est par exemple en train de chauffer. Ouais. Et le rouge, c'est qu'il y a un problème.
Voilà. Alors un problème, ça peut attention, être le bac à marre. Oui. Attention, danger. Le bac à marre qui est par exemple plein ou ouais. Le bac à eau à vider. Ouais. Ça peut être plus d'eau dans le bac à eau, plus de café dans le bac à grains ici. Ou ça peut être par exemple parce que j'ai un élément qui est ouvert. La porte. Exactement. Ouais. On va le faire juste là, après. On sera en rouge. Tu vas voir. Voilà. Hop, là c'est fini. Tiens, Anthony, si tu veux venir montrer juste l'écran, là je vais ouvrir la porte sur le côté. Tac. Ah, il me dit non. Un petit chiffon. Je vais fermer. Et voilà. Un chiffon ici. Allez, je t'en prie. Vas-y. Hop. Voilà. Alors tiens, pendant que tu fais ça, je vais laver la buse. Tout vas-y, simplement, à chaque utilisation, on enlève la buse inférieure qu'on voit qui est pleine de lait. Donc attention aux bactéries si on le laissait. Ouais. Et on retire ça, tout simplement, en tirant dessus. On passe sous l'eau et c'est tout. Et c'est tout. J'en profite pour montrer un petit peu. Donc, pour le, bien pour, sûr. Pour casser les grosses bulles, en fait, hein. Simplement, pour lisser son lait, on tourne comme ça et on tapote. Tout à fait. Là, en fait, ça va casser les bulles et lisser le lait. Exactement. Pour se rapprocher au mieux d'une crème de lait, on va dire. Tout à fait. Crème de mousse. Il y a un terme technique qui dit le glaçage du lait. Le glaçage, c'est voilà. Vrai. Mais bon, on aura quand même d'autres résultats avec une véritable buse vapeur. Tout à fait. Là, c'est vrai que le résultat ouais, sera, mais demandera plus de compétences, on va dire, pour faire monter son lait. Quand même. Allez. Allez, c'est parti. Très beau verre. Hop. On voit. Voilà, c'est bien épais là. La texture, bloom, effectivement, là. Les amateurs de boissons lactées vont être ravis. Allez. C'est beau. Hein. C'est beau, c'est ici. Beau. Alors, avantage de cette machine aussi, c'est que les becs sont très très hauts ouais, ouais. Et on peut passer des très grands verres. Celui-ci est très grand. Généralement, sur les machines automatiques, c'est pas très très haut, mais là, c'est parfait. C'est parti. Alors, donc, ça c'est très bien parce que on a un temps de pause qui va se faire naturellement, qui est important, puisqu'il faut laisser en fait la possibilité à la mousse de remonter, de oui. Créer l'étage supérieur, puisque le lait est plus lourd, donc va se positionner au fond, et le café est entre les deux, on va dire, mmh. Au niveau de la densité, donc va se positionner au milieu. C'est ça. Donc là, on est sur un latte macchiato, à ne pas confondre avec un cappuccino, qui est simplement l'inverse, c'est-à-dire l'expresso en premier tout à fait. Et la mousse de lait dessus. Voilà, exactement. Oh, très beau. C'est magnifique. On va le dégrader de suite ici. Ah, c'est super. Bien. Hop. Je vais le tourner avant qu'il descende. Voilà. Magnifique. Wow. Bravo. Pas mal, hein. Belle réussite, c'est génial. Ouais. Je peux goûter? Ah oui. Allez. Est-ce qu'il va être très chaud? C'est fait pour. Dis-moi, avant que je me brûle. Il peut être très chaud. Il peut être... Ah, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je vais te dire tu tout vas de goûter. Suite. Ça va. Ça va? Est-ce que la consistance est réussie? Elle n'est pas trop aérienne comme mousse? Elle est plus assez dense ou... Alors sur le dessus, on a un petit peu de l'aérien et en dessous, on a de la crème. D'accord. Tu vois. Ok. Écoute, moi, je trouve ça très, très bien. Mmh. Pour le niveau de difficulté, c'est quand même pas mal. Mmh. C'est quand même pas mal. Si on veut une mousse de lait réussie à coup sûr, le mieux, c'est d'acheter une machine munie d'un cappuccinator. Cappuccinator. Ou carrément moins de touch. Qui va le faire automatiquement. Bien sûr. Qui va le faire automatiquement, c'est-à-dire que la main de l'homme ne rentre plus en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on met... un tuyau dans le broc de lait et ça ouais. Sort directement en mousse crémeuse. Voilà. Exactement. Mais quand on a un petit peu de le tour de main, on va dire, oui. C'est quand même pas mal d'avoir on peut facilement faire un résultat plutôt sympa. Ouais, très bien. Je trouve. C'est très bien. Bon, en résumé sur cette machine. Résumé. On a peut-être un plastique qu'on aimerait un peu plus flatteur. C'est vrai. Des, on va dire, des clapets qui se maintiennent sur la machine oui. avec des charnières. On aurait préféré. Maintenant, c'est un parti pris de la marque. Rappelons quand même qu'on peut retirer, bien sûr. Le bien réservoir sûr. Ici. On peut retirer le réservoir. Donc ça, c'est pour les petits points peut-être négatifs. En point positif, on a une machine qui est ultra compacte et qui compact. A une grande capacité. C'est vrai. Ouais. On a une machine qui est facile à utiliser avec ses touches d'accès direct et en très plus bien. Avec son écran LCD 3 couleurs ouais. Qui est vraiment intuitif. Et on a quand même une belle hauteur ouais. Pour passer des tasses. Donc on a quand même une machine qui a des avantages. Des avantages, certains. Bien sûr. Et une vapeur, je trouve, pas vilaine du tout. Oui, sur une machine automatique, là, je trouve, je suis assez bluffé. Je suis d'accord. Bon résultat. Autre chose à dire? Non, allez, je vais la prendre. Eh bien, à bientôt, alors. Je vais l'essayer. Ça marche. Allez, salut. À plus. Bientôt. Ciao. Salut.